Je suis à la plage aujourd'hui pour tester le bike park. Ça a l'air incroyable. Pas de cailloux, tout lisse. Vue sur le Mont Blanc là-bas. Petit virage, boum, boum, à droite, à gauche. Ils appellent ça le Colorado, je viens de comprendre pourquoi. Cette montagne là-bas, ouais, ça fait vraiment penser au Colorado. C'est la première fois que je viens. Le petit score, il est là. Je vais me régaler, les gars. Qu'est-ce que je vois là? Un petit road gap enchaîné d'un petit step up. Ça doit être la noire celle-là. Ah ouais, là je comprends mieux le Colorado. Magnifique ici. Allez, bah c'est parti pour la bleue. On va chauffer là-dessus. Il y a du flow, il y a du flow. Ah, c'est bon, ça, ça va vite. Ah, cette bleue, les gars, elle est bijou, franchement, pour s'échauffer. Oh la marmotte! À gauche, vous l'avez vu? Attends, là, faut aller à gauche. Hop. C'est bon ça. Ah ouais, c'est bien lisse, c'est du piste de bobsleigh. C'est un billard, ça roule comme pas possible, c'est lisse, lisse, lisse. Schlac, schlac. Nice. Oh la petite table. Même si vous débutez le VTT, franchement, ce côté-là, il est top. Ah, c'est top ça. Hop là, pelon. Tissot. Eh, c'est un billard le truc. Ouh. Quel rythme. Il y a des petits variants. J'ai failli me tuer. Faut pas aller trop fort là dans les sauts. Bon, c'est que c'est une bleue toujours. Nice, c'est beau hein. C'est lisse. C'est stylé. Appel. Contre-appel. Petit saut. T'es flow, ça craint rien. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de racines. C'est super facile, super smooth. Oh le régal. Et en plus, j'ai croisé ma première marmotte. Je sais pas si vous l'avez vu au début de la vidéo. Franchement agréable. Hop là, soit réussir, ok. Et tu rides avec les marmottes, pouah, bijou pour l'instant. Là on arrive sur la noire qu'on fera tout à l'heure. Ok, on continue du coup sur la bleue toujours. La bleue c'est là, hop, là on peut tirer des doubles en plus. Ah, trop bon. Attention, saut, nice, petit passage en forêt. Ah, c'est stylé. Hop là. Ah, stylé. Et voilà. Là, je profite vraiment en fait de la plagne. Je connaissais pas du tout le bike park. En fait, j'ai mes enfants qui sont au VVF à côté. Du coup, moi, j'en profite pour rider aujourd'hui. Regardez là. Là, vous pouvez aller vous promener à l'intérieur du goulet. Là, ça a l'air magnifique comme randonnée. C'est un peu rapide. Là, j'ai que 2-3 heures. Donc, c'est fast-fast. Je vais essayer d'enchaîner les pistes aujourd'hui. Bah, dites-moi déjà dans les commentaires quel bike park vous avez fait cet été et lesquels il faut que j'aille tester absolument. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup les traces enduro, les petits sauts, un peu tout en vrai, mais surtout quand il y a du beau paysage. Bon, du coup, tout à l'heure, j'ai fait la Blue Tomato. Du coup, j'ai trouvé, comment tu t'appelles? Lilian. Lilian, enchanté, du bike park, le local. Du coup, il va m'amener sur les bonnes pistes. Du coup, là, on part sur la verte ici. On enchaîne sur la Dana en bleu. Et après, certainement, la Blue Canyon ici. Apparemment, elle est vraiment sympa. Let's go! Du coup, là, on a une petite partie verte. Mettre en jambe au début. La noire de tout à l'heure, sur la droite. Elle a l'air stylée. Oh, les pierres blanches, c'est magnifique. Oh, petit saut. Là, on va attaquer avec la bleue. Du coup, là, on passe sur la bleue. La Dana. Oh, faut pas rater les sauts. Ah, c'est bon, ça va être le premier saut. Tirer en plus pour s'amuser. Elle commence à être cool, celle-là. Youh. C'est Disneyland ici. Wow, incroyable celle-là. Ouais, ah, ça enchaîne dans tous les sens. Et deux. Bon bah voilà, on a fait la bleue, la verte. Allez, c'est parti pour la rouge, la red skin. Avant, on a une petite partie de la bleue. C'est le même début que tout à l'heure. Ces pistes.
C'est bon ça. Ça là a été cool hein. Et maintenant on va faire la noire. Et on commence à voir ici premier petit passage, ça c'est le plus impressionnant de la noire quoi, en gros c'est ouais. Petit step down avec un step up. Faut pas arriver trop loin hein, tu me disais, sinon tu t'enquilles dans le... Ouais, dans le virage. Dans le virage. On tourne, après ben, on voit il y a quelques petits sauts là-bas. Non, en vrai elle a l'air bien cool hein. Avec la petite marmotte là, est-ce que vous voyez la petite marmotte là? Regardez, on va faire un step up par-dessus la marmotte. Là on voit encore une petite passerelle à sauter tout à l'heure, ça va être le début hein. Là on arrive au télésiège. Hop là. On est parti pour la noire, Extreme Canyon. Ça débute sous le télésiège, avec là que des sauts. Regardez ce que ça donne. Saut passerelle. Yes. Oh, le virage. Oh, petit saut. Yes. Merde. Oh. Oh putain. Oh, ça va. Merde. Ah, j'ai failli faire la même que toi. J'ai dit ça à droite ou à gauche? Oh putain, ça va? Moi je crois. Oh. Attention, pentraide, ouais. Ah, j'ai mangé le... Putain, t'as tordu le panneau quoi. Non, ça va, ça a tapé hein. Ça a tapé quoi? Ah ouais, bah elle est cassée. Ah merde, putain. Ah, avec cette poussière, c'est piégeux, hein. Ça se coince quand même. Ah oui, ça va. Ah bah, pose un peu, hein. Putain. Bon. Je t'ai foutu le trek dans le sapin. Voilà. Impec. Ouais, en même temps, faut pas arriver trop fort dans le truc, là. Putain, ouais. Ça fait quoi? T'as zippé, là? Ouais, c'est quoi? J'ai dû perdre l'avant. Ouais, ouais, tu perds vite l'avant, ici, hein. Bon, y a rien de cassé, c'est déjà bien. Ça va, il s'en est bien sorti. Peut-être ouais, dû non, le mettre avant, le attention. Bon bah excusez-nous la plagne hein, si vous voyez ça, hein, c'est... On le remet bien, il hein, n'y a pas de souci. Voilà, bah en même temps, vaut mieux qu'il tienne pas trop, hein, si ça finit pareil. S'il tient comme ça, c'est nickel. Hein. On remonte un peu pour avoir la vitesse. Et toi qui me dis, bon c'est la dernière et après je dois y aller. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouah, je sais pas si c'était un saut ou pas là. Moi je la connais pas la piste, on est sur la même. Tu connais pas. Oh, à gauche il est à plat non? C'est pas censé tourner hein, sur un BH un guidon. Non mais peut-être qu'il a tordu le guidon. Il est pas plus bas en bas à gauche? J'ai l'impression que ta main gauche elle est plus basse non? Bah ouais moi aussi. T'as des sauts encore ou pas? Les doubles noirs mais je saute pas la première, je fais de la rouge à la noire. Ok. Et en gros, bah c'est pareil, c'est aussi long, mais juste moins long. Ok. Ouais, juste quand t'as la bug c'est chaud quoi des fois. Ok, ok. Ah, le petit canyon, c'est ça qui va. Ah, il y a un saut, il est où? Petit saut à réussir. Nice. On a terminé en beauté là. On a été tout propre. Eh, hey, zéro chute aujourd'hui. Hein. Bon, bah merci mec pour cette petite visite du bike park. Bah tu me l'as dit. J'irai faire les petites doubles noires là. En vrai, elles passent bien. C'est juste faut repérer quoi. Alors, juste avant d'aller sur l'autre versant, j'ai rejoint mon pote Jules. Yo. Comment ça va? Parce que Lilian, bah voilà, il s'est pas remis sa chute. Non, il devait y aller et du coup, bah ça tombe bien puisque Jules qui bosse à l'UCPA de la Plagne, il connaît bien toutes les pistes, notamment là-bas, donc on va aller voir. Et là, je suis revenu sur la Noire avec ces deux gros sauts que j'avais pas fait tout à l'heure en suivant Lilian. Du coup, ça va être l'occasion bah, de les tester. Et quand vous lancez bien sûr dans des sauts, bah, essayez d'être accompagné, c'est toujours mieux et de bien repérer. Mais elles sont belles, hein. Franchement. Il y a les matelas, il y a tout, je pense que ça va le faire. Ça va partir pour un deuxième essai. On va arriver un peu plus vite du coup. Allez, Banzai. Voilà. Mousse. On va aller bien, c'est là. Wouhou. Yes. On prend le télésiège de la bergerie pour d'autres pistes. C'est plus le télésiège de liaison. Ah, c'est la liaison? Ok. Ouais, le télésiège, il s'appelle Colosse. Ah, d'accord. En tout cas, c'est celui-là qu'on prend
heures pour aller chercher les premières pistes, c'est ça, ouais, la transition quoi. Ouais, ça fait. Du coup là il n'y a pas de pistes qui partent pour aller choper celui-là de télésiège. Celle-là. Ah ouais, t'as la petite bleue là. Celle-là, il fait la liaison jusqu'à l'autre côté aussi. Ok. Ah ouais, tu peux revenir par là-bas. On va couper à droite pour aller descendre à ce télésiège là. Ah ouais. Bon, on trace tout droit pour aller récupérer la rouge. Ouais, elle part du télésiège normalement, la rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, let's go. Là où faut freiner. Ok. Ouais. Oh, la poussière par contre ici. Parti sur la rouge là, Thunderbolt, là ça saute, hop là, c'est marrant ça, un peu plus de cailloux que de l'autre côté, petit saut, ouh il y avait du vent là non, hop, hop, on a réussi là, ouais, ça va, pas tout droit mon gars. Et moi je te suivais au un cul, j'ai dit hein. Non non, et eh bien écoutez, c'est une belle découverte ce petit bike park de la Plagne. Le deuxième versant, malheureusement la caméra elle avait plus de batterie donc je vous ai pas tout filmé, mais c'est un peu dans le même délire, un tout petit peu plus de pierre, on m'avait dit de la pierre mais non, franchement ça va, c'est propre. Si vous avez d'autres bike parks à me proposer, et bah marquez-le dans les commentaires, ça me fera très plaisir d'aller les essayer. Merci La Plagne en tout cas de m'avoir invité. Bon ride à tous, ciao les gars.